Salut à tous, c'est Cyprien et on se retrouve sur le jeu préféré de Harry Potter, Rogue Fable numéro 3. Oh! Oui, nouveau jeu, Ranger, dueliste, mage de feu, mage de truc, nécromant truc. On prend quoi? Je prends le nécromancien, hein, parce que la mort, hein, ça reste vraiment quelque chose de bien. Et je veux être un gnome, parce que les gnomes, bah, c'est les plus beaux. Du coup, D'accord, en fait le gars pour se déplacer il fait des sauts en fait, voilà, c'est ça. À chaque fois il saute, il se retrouve un endroit plus loin. C'est cool. Ah moi des champignons. Non mais arrête. Arrête de frapper ces pauvres champignons, ils t'ont rien fait. Mais quelle violence envers le végétal. Non, ne fais pas ça. D'accord, le mec en fait il ouvre des portes. C'est vraiment utile. What the f. Non! Non, mais meurs! Ah zut, je viens de mourir, ça fait vraiment plaisir. Donc on va prendre cette fois-ci un mage de glace, parce que la glace est supérieure à l'eau, hein, puisque c'est la version bah, glacée. Bon, c'est cool, on va être une momie. On est dans un couloir, visiblement. Hein, alors, on est, c'est le verbe naître, hein, au cas où les gens n'auraient pas compris. Hein. Alors, on va monter, hein, puisque vers le nord, on trouve toujours les trucs les plus intéressants. Y a pas des trucs bien à faire du genre. Donc là, lettre E, c'est auto-explore. Non, non, mais c'est pourri ça. C'est quoi? Menu du joueur, hein, afin de regarder plein de trucs intéressants hein, qu'on ne lira jamais. Ah, on peut se déplacer comme ça, la souris aussi. Ah, c'est bien ça. On peut dé. Ah, bah voilà, un gameplay de qualité. Eh oui. Et à droite, on nous dit ce que c'est. Donc là, par exemple, on nous informe très gentiment qu'il s'agit du sol. Bah, merci beaucoup, hein, je ne le savais pas. Ici, bah, c'est moi. Mais non! Mais ne me dis pas que c'est moi. Mais c'est quoi cette pièce? Mais y a rien dedans quoi. Je sais pas, tu peux pas mettre un monstre, un truc. Ah, y'a des mecs là-bas. Meurs. Ok, cool. Donc, on va continuer d'explorer ce magnifique donjon. Ah, donc tu trouves des morceaux de viande dans la rue, comme ça, tranquille. Oh, de la thune! Voilà, y'a un SDF qui est passé par là. Hein, il a laissé son argent durement gagné. Et nous, on récupère après. Voilà, ça, c'est une bonne idée. Alors là-bas, il y a des mecs hein, qu'on va cramer du coup. Ah, en fait, c'est un petit peu un jeu au tour par tour, on dirait. C'est assez rigolo. Donc là, j'ai une sorte de truc. Est-ce qu'on peut frapper les gens avec nos parchemins? Non. Mais je m'en fous, je veux ça. D'accord, donc en fait, le mec, tu lui lances des boules de neige et il meurt. Une piscine! Super! Mais c'est une piscine, mais genre, il n'y a pas de douche, il n'y a même pas de vestiaire. Non, mais c'est pourri quoi. Okay, donc tu lances des boules de neige, mais à la fin, bah, ça devient du feu. C'est une très bonne idée. De l'argent, hein, toujours bon à prendre. Le mec, en fait, il se fait un marathon dans le couloir, tranquille. Voilà, donc c'est le tour du donjon, hein, après le Tour de France. Hein. C'est quoi ça? Le mec, en fait, il trouve une bibliothèque, il vole les livres, et ça le rend plus fort. Moi, demain, alors, je vais aller à la bibliothèque, et comme ça, et bah, je vais être meilleur. Très bonne idée. Ah, il y a un truc, là. Ah ah, la suite! Non! Méchant truc. Je te tabasse avec de la neige, qu'est-ce que t'as? Et là, faut aller où? Okay, donc en fait, visiblement, on est enfermé dans une sorte de grande école pénitentiaire, hein, comme c'est le cas dans la réalité, de toute façon, hein, parce que là, il y a des tables. Hein. Mais dedans, il y a des sortes de monstres. C'est vraiment chouette. Hein. On a vraiment envie d'y rester dans cette école. Mais là, du coup... Ah, il y a des escaliers, là, je les avais pas vus. Ah, faut utiliser S. Ah bah évidemment, hein. T'imagines dans la vraie vie, non, tu ne peux pas descendre les escaliers, il faut que tu fasses une combinaison de touches. Alors il y a des os, hein, c'est vraiment rassurant. En plus, on t'informe à côté, voici des os. Super, je peux les buter, c'est débile là. Les chauves-souris les plus résistantes du monde, hein, tu leur lances... Oh, tu es mort. Non, non! Alors on va recommencer avec vraiment un truc intelligent, du genre un ranger de l'espace. Ça va être vraiment une bonne idée. On va être un elfe, puisque les elfes sont les plus forts du monde, hein. Surtout dans le Hobbit, hein, c'est sûr. Mais ce mec, en fait, on dirait juste un clodo. Hein, donc voilà, un niveau ranger de l'espace, hein, il est un peu faible. Voilà, merci. What? Non, mais le mec, en fait, il crame des forêts. Mais on peut pas nager? Ah si! Mais on peut aller dans la flotte, en fait. Et moi, depuis avant, en fait, je tournais autour comme un débile. Merci. On va faire un petit 600 mètres haie, mais dans l'eau. Hein, ça va être une très bonne idée. On suit le cours d'eau. Meurs. Trickshot. Une armée de robots géants. Non! Alors, j'ai forcément une technique spéciale dans ma poche. Je crois qu'on va tous mourir. Non!
Bon, bah, on va recommencer, hein. On va prendre le gars le plus intelligent, hein, donc le barbare, du coup, hein, ça semble logique. On va être un gnome, parce que les gnomes, bah, voilà, c'est aussi les plus intelligents. Hein. Oh, il court vite. Avec ses petites barbes, là. Pff, espèce d'islamiste. Terrain dangereux, mais je n'ai rien à foutre, mais c'est un terrain dangereux, attends, oh. Je suis un barbare, hein, je suis un taré, je te dis. Hein. Les robots d'avant, là, il les déglingue, mais il arrive pas à détruire des petits champignons pourris, quoi. Qui c'est qui m'a refilé un barbare pourraf comme ça? On va chercher la thune, hein, parce que hein, la vie n'est qu'un long chemin vers l'argent. Hop, trickshot argent 392. Donc là, j'ai plus de flèches, c'est ça. Donc, oh non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais j'arrête pas de mourir, quoi. C'est une blague. T'imagines, dans la vie, tu rencontres 3 champignons, tu meurs, et après, bah, t'es obligé de recommencer ta vie depuis le début. Alors, je sais vraiment pas à quoi sert l'argent, hein, puisque depuis avant, en fait, on se fait des thunes en trouvant des pièces dans la rue, hein, mais je sais pas, ça a l'air de servir à rien. Donc, c'est vraiment cool. Mais en fait, je sais pas, il sert à quoi dans sa vie, mais attends, il a une attaque à distance, mais il peut pas attaquer à distance, quoi. Il attaque des pauvres champignons à 3 km. Mais quel fou! Je trouve un coffre avec un truc dedans. C'est quoi ça? Ah, ça met des armes autour de moi, qui ont l'air de servir à beaucoup de choses. Ah d'accord, en fait, elles attaquent avec moi. Alors c'est vrai que dans la rue, hein, tu trouves des armes volantes. Après tu vas prendre ton banc, d'accord. Donc là en fait, il se passe un truc, que je sais pas ce qui se passe. Okay, donc là en fait, j'ai trouvé une armure. Hein. Donc comme par hasard, elle était à ma taille, hein, donc y a pas besoin d'aller la faire réajuster, donc merci beaucoup. Oh, c'est quoi ça? Un cigare. Et tu te fumes ton joint tranquille, là, en train de buter des monstres inutiles. On peut enchanter des trucs, genre ça. Attends, quoi? Missile magique. Alors, le saviez-vous, hein, les gens se baladent avec des missiles qu'ils font apparaître. Hein. Ouais, c'est une bonne idée. Nouvelle discipline 2042 aux Jeux Olympiques de Corée du Nord. Hein. Bah, c'est le tir de missile magique sur champignons lumineux. Hein. Ok, on est parti, on représente le Kazakhstan. Le sportif se rapproche des cibles et fait un tir parfait, et oui! Alors le tir sur chauve-souris est interdit par la convention de Genève de 1224, je crois. Parce que cela blesse des animaux, et... Il y a une porte, là. Quoi? Attends, une seconde. La porte qui permet d'aller nulle part. Bravo. Il se passe quoi, là? Moins 1? Pourquoi à chaque fois que je me dépêche, je perds de la vie? Quoi? Ah, j'ai faim, en fait! Il faut que je mange. Quoi? Non mais attends, le machin en fait, c'est un jeu de survie. C'est Rust le truc. Okay, donc là, on peut améliorer un truc alors. On peut améliorer notre force. Hein. Comme je suis super puissant hein, avec mes missiles magiques, hein, je sais pas si ça sert à un truc. Dextérité. Ouais, pour mieux viser, je pense, hein, parce que hein, bravo, hein, les Jeux Olympiques, hein, voilà, j'ai fini dernier, on se demande pourquoi. Intelligence. Ah, oh, l'intelligence. Grande vertu, hein. Et on s'en fout, nous, on augmente la force. Tout dans les muscles, rien dans la tronche, on s'en fout. D'accord, on fait le tour d'un couloir avec des monstres et ça ne servait à rien, c'est cool. Ah, on peut encore descendre. Le mec en fait il descend et tout à coup il tombe sur un désert. Hein, tu sais pas d'où il est venu. Quoi? Non. Ah j'ai ça. Mais mes missiles magiques ils fonctionnent plus. Mais attendez, j'ai des missiles magiques, ils font greffe quoi. Ils servent... Non. La révolte des missiles magiques. Ils ne veulent plus travailler. Encore une piscine? Non mais c'est quoi ces gens qui ont 15 000 piscines en intérieur là? Ça sert à quoi? En plus ils ont des piscines mais ils ont même pas de cinéma quoi. Où est le plaisir de vivre? Je sais pas. Ah y'a un mec là. Non, meurs. On me lançait des cailloux avec ton aspect pourri là. Le mec en fait il faisait une partie de badminton juste. Pourquoi je peux pas aller... Quoi? Non mais attends, le mec pour aller dans une pièce juste à côté, il fait tout le tour quoi. Très utile. Je peux pas passer par là? Oh non, vraiment pas. Mais une seconde, je pouvais tirer à travers ça avant. Il écrit que c'est une porte. Quoi? Bon, hein, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, ok, donc là, en fait, j'ai la dalle, il faut que je mange, mais j'ai rien à manger. D'accord, en fait, c'est SDF Simulator, hein, voilà, il faut demander de l'argent pour après acheter dans un magasin, c'est quoi ça? Oui. What? Je crois pas que je vais m'en sortir, en revanche. Donc, merci beaucoup, hein, ce fut un plaisir. Voilà, un grand, oui. Eh, hey, je suis niveau 3 quand même.